Saturnin, placé du Popita, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de toutes langues de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Duilius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier, et l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Cette naissance divine est un événement particulier. Noël reste une fête célébrée dans le monde entier. Chaque ville et village, de chaque continent et de chaque nation l'interprète, la modifie, se l'approprie selon ses coutumes. Ce soir, nous allons résumer cet événement si particulier à travers des chants de Noël de diverses époques et selon les sensibilités propres à chaque compositeur de tout pays. Qu'il soit anonyme ou connu. Voici donc une série de 9 chants de Noël.